Salut mes petits bobeyes, c'est le Conky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mountain Blade. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai progressé un petit peu, une petite demi-heure, trois quarts d'heure peut-être, histoire de remonter un peu notre troupe, hein, parce qu'on était vraiment très très mal. Hein, donc vous voyez, on est à 40, 48 troupes, avec presque 10 000 d'or. Donc j'ai quand même bien progressé. Vous voyez un peu les troupes que j'ai. Je me suis fait une petite troupette d'archers montés. Parce que c'est la spécialité, excusez-moi, des cuisettes. Donc je pense qu'avec ça déjà, là, on devrait commencer à être pas trop trop mal. Surtout que c'est assez costaud hein, quand même, parce que sur ma partie solo, enfin hors YouTube, je me bats en ce moment contre eux et je vous avoue qu'ils sont vraiment très chiants. Si on n'a pas de la cavalerie ou une bonne troupe d'archers derrière, c'est pas évident à gérer. Donc bon, on est parti. On va farmer un petit peu, on va farmer un tout petit peu, histoire de monter un peu nos troupettes. Là, on va envoyer un direct, hein, on va envoyer direct parce que ah bon. On a eu quand même un blessé, mais bon, hein, rien de bien foufou. Tiens, les troupiers. Ah ouais, ils sont déjà troupiers, ça c'est dommage. J'aurais dû partir là-dessus dès le début, je me suis gouré. Bon, on va faire des Darkhan, hein, parce que les Darkhan quand même sont quand même vachement costauds. Attends. Ouais, lancier. Ok, on va se diriger sur les lanciers. Ok, et là, nos guerriers tribaux. Bon, on va partir sur du pillard, hein. Pillard. 3-4. Ok, les archers Kusait. Bon, ça, à la limite, j'aurais peut-être pas forcément dû en faire. J'aurais peut-être fait essentiellement, aller à la limite, des fantassins. Et en archer, de l'archer monté, hein, au final. Hein. En vrai, de vrai, je devrais faire ça, parce que c'est vrai que ça sert pas trop grand-chose, ça. Ok, donc niveau stuff, on n'a pas grand chose hein, de toute façon, contre des pillards on va pas non plus, comment dirais-je, espérer beaucoup mieux. Alors on est en guerre pour le moment contre l'Empire du Sud, du Nord plutôt, si je dis pas de bêtises hein, c'est l'Empire du Nord hein. Oui, l'Empire du Nord, on est en guerre contre eux, ils ont trois villes pour le moment, ils sont quand même bien fait bouffer. On va essayer d'arras tout ça hein. Ici, il y a des villes qui ne sont pas pillées. On va aller les piller. Tranquillou bilou. Tiens, il y a même peut-être... il va s'en charger? Non, il s'en charge pas. Ok. Là-bas, on a un château, ouais. Ok. Très bien. Entamer l'action hostile. Piller le village. Forcément, hein, les relations sont réduites, évidemment. Ça, c'est sûr. A été fait prisonnier par nous. Bien, ça. Bien, bien, bien. Bon, j'ai l'impression qu'on est... on est en train un peu de les défoncer, hein, parce que là, il n'y a aucune résistance. C'est cool. Mais je sais pas ce qu'il fait, lui. Il fait des allers-retours comme ça, je sais pas pourquoi. Il se balade. Ça fait du slip. Ça fait du buzz l'œil. Tiens, un petit groupe de 13, là, c'est pas mal, ça. Petit groupe de 13, là, c'est pas mal, ça, hein. Ouais. Attends, on va voir combien ils sont. Ouf, 244, ouais. C'est moi. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, toi, hop. On te kill. Tranquillement. Voilà, les petits lanciers en fantassin. Ah, des guerriers tribaux. On améliore nos archers montés. Ça, c'est très très bon. Très très bon. Ok. On a pillé pas mal de choses. C'est voir là-bas, ça va peut-être tu lag. Tu lag ou tu lag pas? Putain, là, je suis au summum de ma blague. Oula, Chazen. Hey, Chazen. Quoi qu'il y a peut-être moyen, hein, 78. Ouais, 45 quand même, c'est peut-être un peu chaud, non? C'est peut-être un peu chaud, peut-être. Quoique, hein, franchement, est-ce qu'on se tenterait pas, j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, est-ce qu'on sauvegarderait pas un coup? Hein? Bon, un de mes chats qui déconne forcément. Ok, on va essayer. On va essayer, on a des archers montés. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Hop.
Avec tes petits diams là sur la tête. Attaquez. On va voir ce que ça donne. Ça, je pense que c'est faisable parce que... Archer monté quand même, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf et là on commence à en avoir un bon paquet quand même. Hein. On commence à en avoir un bon paquet. Venez là. Je crois qu'elle a mis toute la cavalerie, je devrais la mettre en 3 en fait. Parce que là pour le moment c'est... Non, on va mettre l'infanterie là. Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup... pas beaucoup d'infanterie. Pourquoi mes archers ne tirent pas? Je crois que c'est le bug encore. Putain c'est relou ça. Ouais voilà. Si? Non? Alors pourquoi ils tirent pas? Ils sont pas à portée ou alors l'infanterie est trop... Les fantassins sont trop proches? Je comprends pas pourquoi ils tirent pas. Bon eux on va leur dire de me suivre. Et on va partir là. Alors là déjà... Boum. Ah il tire, c'est bon. Nickel. On va essayer d'arrasser un peu les archers. Voilà. On va leur dire directement. Alors toi, tac. Toi, tac. Comme suivant, j'ai pas l'impression qu'il tire vraiment correctement. Par contre, je vais essayer peut-être d'aider mon infanterie. Tiens. Ah, purée, je lui ai défoncé son cheval, oh. Pas mort, toi. Les cataphractes, c'est vraiment très puissant, ça. Hein. Ah mince, dommage. Dommage, dommage fromage. Viens ici, viens ici. Voilà. Les arbres. Tiens, oh, putain, en plein front, je lui ai mis, il est pas mort le mec. Tiens, toi aussi. Pour la route. Tiens là, toi. Ils sont vraiment costauds, hein. Encore dans la chetron. Allez, ça dégage. Blessé. 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 Allez. C'est que tu veux l'eau. Ah merde, je l'ai loupé lui. Oh là, bah la vache, oh, oh. Oh comment ça? Tiens, dans le dos. Tiens, encore. Tiens, encore. C'est là où on voit quand même que mon arme est vraiment pourrave. Et j'ai trouvé une bonne arme, par contre, dans ma partie... dans ma partie privée. Il faudrait que je la retrouve. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Elle a une longue portée. Je me souviens plus comment qu'elle s'appelle. C'est pas le glaive. Ça ressemble au glaive, mais c'est pas ça. Oh, tu l'as loupé ma gueule. Ah, non, par contre, tu as mis plein de bouche là. Ok, très bien. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal, je pense. Franchement, c'est vachement cool. Regardez les flèches dans les. Regardez les flèches dans les arbres. C'est vachement fun quand même, je trouve. Ok, donc. Il a eu quand même 43 morts, 31 blessés, 4 en fuite, et nous on a eu que 2 morts. Je pense que... Hein, le verdict est sans appel. C'est une victoire écrasante, les petits potes. Surtout qu'ils étaient presque le double... Bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Mes chats pètent des plombs. Écoutez, hein, c'est les aléas du direct. Hop, prisonnier. Prisonnier. 34, on peut pas tout prendre, surtout qu'on a 1000 pillards. Donc dégage. Par contre, on va essayer de prendre les plus évolués, histoire de se faire le plus de thunes. Tac, les archers. Ensuite, les fantassins. Les archers impériaux, la recrue. Ah bah, toi, ça, à la limite, on s'en fout. Hein. Ok, très bien. Ouais, ça comme ça. Toi, ok. Les fils de Cusette. Cusette. Les Cusette, fais voir un peu.
Putain, ceux-là, ils vont être chauds. Hein. À l'arc, 280 quand même et 220 d'équitation. Putain, ils sont chauds quand même. Hein. Ah ouais, ils sont vachement chauds. Hein. En plus, avec un... Je crois que c'est un glaive en plus qu'ils ont. Ils sont chauds. Hein. Putain, quand on va réussir à avoir des gardes de QZ de canne, purée, ça va être tendu. Hein. Franchement, on va faire de... Ouf, on va faire du sale, à mon avis. Alors, des petits chevaux machin. Ok, achète. Ça, on va garder, garder, garder. La laine, non. Ok, tout ça, c'est de la daube. Ça, c'est de la daube. C'est de la daube. Ah, 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 ah. Des meilleurs gants. Parce qu'il faut un peu nous stuffer, là, parce que c'est un peu... C'est un petit peu naze, hein, ce qu'on a comme stuff. On n'a rien de bien, hein. On n'a rien de bien. On n'a pas grand-chose de bien, franchement. En épée, dégâts de taillade. Ah. Tiens, c'est bizarre. Dégâts de taillade. Ouais, on fait plus de dégâts, mais... Un peu moins rapide, un peu moins maniable. Ouais, mais de très très peu. On va mettre ça. Hop. Ok. En cheval. En cheval, en cheval. On est bien. Lui, plus de manœuvre et plus de santé, mais on s'en fout un peu. On veut de la vitesse. Ok. Alors, fais voir. Vioshen le poisson. Très bien comme nom, très bien. Très bien. Attendez, déjà, on va valider ça, parce que là, c'est un peu dans le désordre. Hop. Toi. Toi. Ça, on va le garder, par contre. Le poney, par contre, on va le virer. Hein, ça va dégager. Ok. Vitesse de taillade, machin, non. En bouclier, non plus... Est-ce qu'on lui mettrait pas un arc au final? Dommage. Ah, vitesse de projectile, il est mieux quand même celui-là. On va mettre ça. Niveau flèche. Précision, montant, dommage, ouais. Niveau flèche. On va mettre ça. Très bien, la laine, non, on s'en fout. On n'a rien de bien en casque. Très bien. Ni là, non, non. Ok, bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, les amis. On n'est pas trop mal. Mais attends, mais c'est... Je suis un con. Yes, we con. Si, yes, we con. Si, hein, yes, we con. Toutes mes confuses. Je suis un gros guignol. Ok. Ah là là. Ah là 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 là. Bon. Ok. Ok. Ce qu'on voulait mettre, ces flèches là. Toi dégage. Attends, je vais mettre cet arc là. On va voir si l'autre est vraiment meilleur. Mais oui, de toute façon on l'avait vu. Ok. Tac là c'est bon. Ok. Là il en a pas. Très bien. Ici c'est mieux. Ça c'est mieux. Ok, là on est bien. Vitesse machin, mais oui. Ok. Ok, voilà. C'est bon, c'est good. Trop con. Mais pourquoi pour... Moi, je sais pas. Ah bah oui, parce que je... Bah oui, je suis con. Bref, ok. On a fait une bonne OP, là. On a fait une bonne OP. Production primaire de la vache, on s'en fout. Là, c'était du mouton. Quoique, après, on a peut-être un peu... On va voir. Hostile pied village. On a de la vache, du fromage. Ok. Du beurre. Ok. De la bouffe. Ça ne va pas nous faire de mal, ça. On est passé à 13 000 balles, hein, les gars. Villageois de Gauss, on s'en fout. On va pas les tuer. En vérité, ils ont rien, les villageois. Hein. C'est peanut. On prend beaucoup de bouffe. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. On a fait pas mal de prisonniers, là, dis donc, là, les Kuzaites. Ça aussi, c'est pas mal. Ok, bah nickel. Nickel, on lui coupe ses vivres au mec. Là-bas, c'est aussi attaqué, le château. Ok, la ville, elle est là. Ça n'est pas... Il n'a pas d'autre ville, hein, de toute façon, hein, non. Parce que ça, en gros, c'est quoi, alors? Ça appartient à quel... On peut savoir à quoi ça appartient? Lié à la ville château de Gauss, ok. Mais on voit pas par contre le château à
À quelle ville il est Thémis? Lié Gaos Thémis. Ouais, ça c'est lié, ok. Ouais, on voit pas grand-chose. Bref, on va aller vendre 2-3 bricoles. Histoire de salle léger. Hop. Le commerce. Le poney, cheval de somme. 44, vitesse 34 lui par contre, hein, ça dégage. Quoique celui-là, alors du coup, on va le garder. Ça, bien entendu, on le garde. Ça, on vire. L'arc de chasse, on garde. Ça, les carreaux, on s'en fout un peu. Ça, on va garder. La laine, on vire. Logiquement, tout le reste, ça dégage. Très bien. On va aller dans la forge. J'ai commencé un peu à tâter un peu la forge. Je dois dire que c'est pas si mal que ça. On n'a pas assez de bois dur, ça c'est chiant par contre. Et là on n'a pas de charbon, merde. On peut rien faire là. Alors attendez. On a une faux... On l'a pas l'autre. Non, elle y est pas. Elle est pas évidente à trouver. Une belle spire, ça, par contre. Hein. Mais il y a un truc que j'arrive pas, par contre, à comprendre. C'est qu'il y en a certains... Il y en a certains où on peut faire un mouvement de gauche à droite. Et d'autres, non. Donc ça c'est un peu relou et j'arrive pas vraiment à savoir comment... comment dire? Bah comment le savoir tout simplement. Hein. Comment savoir si ça le fait ou non. Bois dur, bois dur. On va en prendre peut-être... On va en prendre 15. Voilà. Logiquement ça devrait être bon là, non? Affiné, yes. Voilà. Très bien, on va venir fondre le javelot. Ah, j'ai... J'ai vendu le reste? Ouais, j'ai vendu le reste. Ok. Ok. Ce qui est pas mal aussi de savoir, c'est que les armes que vous... Comment dire? Que vous avez, que vous lootez dans les batailles, etc. Vous pouvez les fondre. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir à créer une armée autour de Véalos plutôt. Okay. Et du coup, grâce à ça, en fait, vous allez avoir plein de compos. Et vous allez pouvoir vous crafter vous-même des armes. Du coup, les vendre, etc. etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que vous allez pouvoir vous faire de grosses armes. Pourquoi qu'il y a une... Il y a un truc là comme si elle se faisait attaquer alors que non. Fais voir combien il y a de troupes dans ce château. 142, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde là-dedans. Mais malheureusement, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. Hein. Là, on va évoluer un peu nos pélos. Eux, on ne peut pas les évoluer. Donc ça, c'est un peu relou ça. Ok. On va aller, je pense, par là plutôt. Quoique. J'aimerais bien prendre le château. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais à 44, ça va être tendu. Hein. Bon, Véalos, du coup, j'y suis, mais il n'y a personne. Comment ça se fait? Il y a une quête ici. Apporter le troupeau à Tial. C'est où Tial? C'est où Tial? Je ne le trouve pas.
À tous les coups, c'est une ville qui n'est pas à nous. Ouais. Purée, on ne sait... Oh, putain, la vache. On s'étend vachement. Hein. Ils ont pris la ville là-bas. Ils ont pris la ville là-bas, on va aller là. Vas-y. Vas-y. On va voir s'il n'y a pas de la fight un peu là. Tiens, celle-là, la mythe, on peut peut-être la piller. Il y a quoi là comme production primaire vache aussi? Allez. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai mis me promener. C'est pour ça que je voulais faire, c'est pour ça. Hey boy! C'est pas ce que je voulais faire. Mais ils me disent qu'il y a une armée qui se crée et il y a personne dedans. Donc, enfin, il y a personne à côté, donc je comprends pas trop là. Ils sont combien? 8. Ouais, vas-y, laisse tomber. On va pas la faire celle-là. Hein. Ah, j'ai eu quand même un mort, tiens donc. Qui c'est qui est mort? Ok. Ok. Les fils de machin, c'est quoi ça, les fils de machin là? On en avait qu'un? Visiblement, oui. C'est quoi le fils de... je sais pas quoi, là. Pillard, machin... Ouais. Je sais pas ce que c'est. Yé, c'est pas Zegzé. Bref, ok. Sans branle. Ok, terminus, tout le monde descend, les gars. Hop, on prend le stuf et on raid. Qu'est-ce qu'on prend? De la vache. Du beurre. On prend pas mal de bouffe. Ça c'est plutôt intéressant. Pas mal de caravanes qui passent par là. Hein. Ici c'est un bon spot en vrai. Hein. Pour intercepter les différentes caravanes, etc. C'est un bon spot. Tiens, il se fait... Oulala. Il se fait... Ah, par contre, les 19 bandits, ça, j'aimerais bien. Ouh, il y a une grosse armée, vous voyez, là. C'est la war, là-haut, là. Là-haut, c'est la war. Là-haut, c'est la war. Ah ouais, c'est... Oui. Oulala. Oui. J'ai eu deux morts, encore. Troupier, ok. Ok, on va juste voir un peu là. On a looté des trucs, peut-être pas mal. Ça on garde. Hache de bataille. On va la mettre, on va voir ce que ça donne. Le bouclier, non. Les raisins, on va garder les dattes aussi. Le charbon, le fer. Les coiffes, on n'a rien de bien. Là. Non, on n'a rien de bien. Purée, c'est pas possible ça. On loot rien du tout là. Hein. C'est un peu relou. On loot rien de bien. Ok, par contre là, il y a une grosse armée là. Il y a une grosse armée qui arrive. À mon avis, elle vient protéger ici. On va passer par là, nous. Attends, fais voir. Ils sont là. D'accord, ils m'interceptent direct, le mec. Ok, 80 contre 40, 41. Je te prends. Moi, je te prends, moi. Moi, je te prends, moi. Tu veux faire le mec? Je te prends, moi. Direct, je te prends. 313, ouais, ils sont en train de faire le siège. Et moi, je te prends. Il n'y a pas de problème. Ce sera la bataille de fin de vidéo, ça. Je te prends, mon gars, mais... Pff, direct. Vas-y. Hey, boy. Ah, mince, je voulais... Ah, ça, j'ai oublié, tu vois. Con que je suis. Ah, ça tire déjà. Ah ouais, ça rigole pas, mes mecs, là. Mettez-vous formation du scorpion bridé. Ok, les boys. Les Billy Boy. All fire. Ouais, fire and will. Compris, toi?
After me. Viens ici, sac à... sac à vin. Tiens, in your face, man. In your face, man. Il est pas mort, ce con. Mais crève dans d'atroces souffrances. Sac à viande. Ah, le con. Il est costaud, lui. Allez, tirez, mes petits, là. Attends, je vais les mettre direct en attaque. Purée, j'aurais pas dû prendre cette hache, je pensais qu'elle était plus grande que ça. En fait, on les arrase, en fait. C'est ça qui est marrant avec, avec les Kusaites. Faut vraiment que je me trouve une lance ou une connerie là. Tiens. Mange. Bru. Ah non. Bru. Bru. Oula oula oula. Je prends la sauce. Putain, je l'ai loupé. Tiens. Viens ici toi, viens ici toi. Tiens. Jour. Ah merde. Dommage. Et non. Ah, c'est pas possible. Ouah, j'en ai pris plein la gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, d'accord, je me suis pris, je pense... ouais, des javelots dans le fion. Ok. On se les a fait. Nickel. On a eu que 5 morts, c'est nickel. E43. Je me suis pris 2 javelards dans le fion. Je suis tombé sec. Les javelots, ça fait mal. Hein. Les javelots, ça fait super mal. En plus, on a une armure moisie du fion. Donc, c'est clair que c'est pas la joie. Donc, dès qu'on se prend un coup de javelard, c'est terminus. Tout le monde descend. Hein. Troupes. Non, on s'en fout. Ok. Par contre, toi, ouais, y a un truc, je pense... Faut que je m'entraîne à... Comment dire, à... À manager les archers montés, parce que c'est différent, du coup, d'une charge ou... Enfin, oui, d'une charge toute bête, d'une cavalerie toute bête, puisque les archers montés, quand même, sont pas censés aller au corps à corps. Ils sont pas censés charger. Ils sont censés, justement, harasser, kite les ennemis... sans se faire toucher, ou en tout cas le moins possible. Et là on n'a pas trop réussi le délire. Faut que je m'entraîne un peu. Donc la 16. Ah, du bataillon, c'est bien ça. Là. Non. À la limite, on les vire. Eux aussi. On dégage, donc là on a 20, 21, 22, 23. Ok. Et s'il y en avait quelques-uns qui pouvaient venir avec nous, surtout eux là, ça pourrait être sympa. On prend tout le stuff, du coup, on leur a fait quand même vachement mal là, mine de rien. Et ça c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant. Est-ce qu'on se ferait pas les pillards quand même en passant? Oula, oula là, là-bas là. Vous avez vu là? Le petit groupe. Ok.
avoir des archers à pied, c'est pas forcément idéal. Par contre, à la mythe, ouais, mine de rien, avoir quand même de l'infanterie, enfin du fantassin, c'est peut-être pas mal quand même d'en avoir. Hein. En fait, faut mixer. Les archers à pied, en fait, faut que j'oublie ça. Que de l'archer monté et du fantassin en vrai. En vrai, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Il n'y a pas un peu de... Non, mais en plus, là, c'est de l'Empire, on s'en fout. La taverne, on vend les pélos. On va voir en commerce ce qui se passe un peu. Cheval du désert, toi, on te garde. Ça, je pensais que c'était une plus grande, mais longueur 67. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber la neige, mon pote. On va prendre ça, hein. On va prendre ça jusqu'à temps qu'on trouve la sorte de faucheuse là. Ça on vend. Attends. Qu'est-ce qu'il a lui comme bouclier? Ah ouais, celui-là il est beaucoup mieux. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Ça on garde la bouffe. Putain, on a vraiment que dalle au niveau stuff, c'est chiant ça, hein, par contre. On a vraiment que dalle niveau stuff. Hein. Là, un petit peu. Oh, waouh, on a eu un bardage de mailles. Oh, les gars. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais, ça rigole zéro, là, par contre. Ah oui, ça c'est... Ouh là 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 là. Mais ça c'est magnifique. Tiens, toi t'avais pas de harnais, mon pote. Ça c'est magnifique par contre. Tiens, toi un petit peu de stuff. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça c'est magnifique par contre. Ça c'est le beau jeu. Sinon le reste, non, c'est de la daube. Ok. Fais voir, ouais, ça, ouais, 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 ouais. Le problème, attendez, c'est déjà, on va valider ça. On va aller dans la forge. Affiner, on a du charbon, mais là, ah non, on n'a pas assez de bois. Alors attends, là, on a des trucs, là. Oh, ça me donne plein de compos. Et en faisant ça, en plus, en fondant, en plus, les armes, hein, vous voyez que je débloque des nouvelles pièces, hein, pour moi, m'en crafter. Donc ça c'est la bombe. Par contre le seul truc c'est qu'il faut se reposer. Vous pouvez pas spammer le truc indéfiniment. Donc là je peux plus rien faire en gros. Là je peux plus rien faire. Mais par contre ça m'a débloqué des choses normalement. Et ça m'a débloqué quoi? Parce que là tout a l'air d'être verrouillé. Peut-être du pommeau. J'ai vu que ça m'a déverrouillé des trucs mais ouais. Quoi que ça m'a déverrouillé là. Je ne sais pas. Tout est verrouillé les gars, il se fout de ma gueule ou quoi lui? Bref, bon, de toute façon ça nous a déverrouillé des trucs et on l'a vu. Mais bon. Je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Ah mais oui, mais là on est en épée, c'est normal. Imbécile heureux. Attends, fais voir, tiens. Pic, javelot, arme d'ast. Putain, râteau les mecs. Ah, c'est une arme comme ça un peu. Une guisarme. Je crois que c'est un truc comme ça que j'avais. Qui est vraiment, vraiment très très bien. Faux de guerre. Putain, il y a vraiment des trucs de foufou quand même. Hein. Tête d'épineux en acier, putain. Longue tête de glaive. Il y a des trucs de fou quand même. Hein. Fais voir un peu. Ouais. Ah tiens, ça c'est débloqué par contre. Ouais, on peut choisir le manche et tout. Ok. Et ça c'est quoi? Ouais, le pommeau. Voilà, du coup, c'est un petit peu... C'est un petit peu chaud. Ah ouais, c'est bon. Putain, cool. Ok, bon. Bref. Ok, nickel. On va vendre le reste. On va vendre le reste. Hop.
6500, purée, la thune commence à vraiment bien monter. Par contre, la bouffe, on n'est pas foufou, hein. On n'est pas foufou en bouffe. Fais voir. J'aimerais bien la retrouver, cette arme. C'est relou, ça. Ça, c'est un peu relou. Putain, c'est une tier 5 qu'on a. Mais bah. Ok. Vitesse machin, au niveau poids quand même. Faut pas qu'on soit non plus trop lourd non plus. Puisque après, on se traîne la savate. Est-ce qu'on se prendrait pas peut-être un petit peu... Il y en a pas. Il y a pas de céréales. Bon, on va se prendre un peu de viande et de poisson. Et de raisin. On va faire ça. Yes, of course, mon gars. Ok. Alors, attends, fais voir. Parce que là, il me dit... Ouais, donc ils sont partis. Attendez, j'aurais quand même bien aimé... Ah, mais là, j'ai pas beaucoup de troupettes. Bon, on verra ça pour la prochaine vidéo, je pense. On essaiera d'aller voir si on peut pas les aider... comment dire, dans l'attaque du fort. Bon, bah, écoutez. Les Cusettes, là... ils se la font là quand même, hein, parce que quand même on a pas mal de territoire là, hein. J'ai choisi les meilleurs. Après, remarque aussi le fait que je les aide, bon, remarque, je les ai pas non plus aidés énormément non plus, mais c'est vrai que pouvoir défoncer quand même des troupes ennemies à 80 alors que toi t'as 40 hommes, tu les défonces, etc. Comme ça, n'empêche, mine de rien, c'est 80 hommes de moins qui vont attaquer tes alliés. Donc au final, c'est vrai quand même que tu les aides indirectement. Même si tu les aides pas dans les attaques de fort, etc., dans les sièges, on les aide quand même indirectement. Donc bon, on fait quand même notre petite part du truc, voilà, de l'histoire. On fait notre petit bout de chemin, quoi, tranquillement, bilement. J'espère que la prochaine vidéo va y avoir un petit peu plus d'action. Toute manière, bon, c'est vrai qu'on est au début, hein, donc moi j'ai mis quand même pas mal de temps avant qu'il y ait pas mal d'action. Et moi, je vous montre quasiment tout. Je fais pas trop de cut ni rien du tout, donc je vous montre quasiment tout ce que je fais, donc effectivement c'est vrai que ça vient un peu plus lentement, mais bon, après c'est vrai que j'hésite quand même à faire quelques petits cuts histoire que ça aille peut-être un peu plus vite, mais moi ça va me demander de faire des sessions de jeux beaucoup plus grandes. On va voir, on verra, c'est vrai que ça peut être pas mal, mais on va voir ça. En tout cas, bon, mes petits potes, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.